pour vous montrer comment je stocke mes pierres. Donc du coup, là, je vais vous montrer. Là, j'ai fini, c'est les pierres de la toile de Maïline. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, j'ai tout trié par référence. Tous les 100, 200, 300, les 400, les 600, les 700, les 800, les 900, tout ce qui commence par 30, tout ce qui commence par 36, tout ce qui commence par 37, tout ce qui commence par 38. Alors je suis désolée, vous n'aurez peut-être pas une vue au top, mais je vais essayer de faire du mieux. Donc tout ce qui était sachet qui n'était pas entamé, je stocke dans un sac à congélo. Là, il n'y a que les sachets de pierres rondes et j'en ai un autre avec tous les sachets de pierres carrées. Donc vous voyez, j'ai quand même un bon stock. Et alors, pour stocker mes pierres qui sont déjà des sachets entamés, donc j'ai, vous avez vu la boîte, donc là j'ai un sachet où il n'y a que les 5200. Et pour les autres, par contre, c'est par référence, pareil. Vous voyez, 600, 500. Et j'ai toutes les références comme ça. Donc on est parti. Là, on va ouvrir le sachet de 500. Je vais prendre mes sachets de 500. Bah, j'en ai pas, donc ça sert à rien. Donc là, hop, de toute façon, je voulais changer de boîte. Bon, je pense que je vais restocker dans la boîte qui est par terre. Les 400. Hop, je prends ce qui est des 400. Alors, j'ai ça pour les ronds et j'ai ça pour les carrés. Hop, et je mets dedans et je referme. Et je restocke dans ma boîte. Voilà. Mais bon, à l'avenir, il faudrait que j'essaye de stocker autrement pour pouvoir retrouver plus facilement et pas être obligé de vider tout le sac pour retrouver la référence. Mais j'ai essayé les boîtes à tic-tac et franchement, non, ça me saoule. C'est pas pratique. Des fois, voilà, des fois, il va y avoir la même référence, il va y avoir deux teintes. Donc ça fait deux boîtes de tic-tac à occuper. Franchement, c'est pas top. Donc là, 200. Vous voyez, 200. Donc là, je vais prendre mes 200, je les remets dedans. Je vérifie pas s'il y a déjà des sachets, hein. C'est pas la peine. Je stocke. Il faudrait d'ailleurs que je fasse une vérification de ce que j'ai déjà en couleur dedans. Donc là, 600. Donc là, hop, tout ça c'est du 600 dedans. Et après, moi je stocke ça donc dans la boîte à chaussures, debout, les sachets debout dans la boîte à chaussures. Donc comme ça. Rangés par référence, là ils sont pas rangés par référence, mais debout comme ça et dans un tiroir de commode. Et dès que j'ai besoin, bah, je vais chercher dans un sachet. Touchant du bois, ça fait un petit bout de temps que ça m'est pas arrivé d'avoir du manque. D'ailleurs là je suis en train de faire la toile défi d'abonnés et je suis en train de me dire que vu le stock que j'ai, quand je vais arriver à une fin de tube, je pense que je vais aller taper directement dans la réserve pour essayer de garder un maximum de sachets. Alors de sachets normal, pas ouverts, donc c'est-à-dire les sachets zip, les sachets scellés comme ça qu'on reçoit. Je vais essayer d'en garder un maximum et d'essayer de me servir, si j'ai les références dans mes réserves, de prendre dans mes réserves, donc dans les sachets qui sont en zip. Comme ça, ça sera plus cool et ça me videra un peu ma réserve parce que là... Je préfère avoir de la réserve avec des sachets qui sont non ouverts que d'avoir de la réserve avec des sachets tout plein ouverts et en plus plein qui sont... je suis sûre qu'il y a plusieurs fois la même référence dans le sachet. Donc ça va être une petite vidéo rapide. Hein. Donc ouais, voilà, une fois... Mais en fait, quand j'ai fini ma toile, ce que je fais, je restocke toutes mes pierres du coup. Dans des sachets zip, je vais y arriver, des sachets, hein, on veut parler trop vite, ça marche pas. Et après je trie par référence et dans le sac zip, et le sac zip dans la boîte. Et comme ça il n'y a pas de souci. Ah par contre là je vois que dans les 37, il y a des sachets normaux. Ah, c'est peut-être parce qu'il était percé, alors ça je vais le mettre de côté, je vais regarder après. Parce que normalement je mets pas de sachet normal dedans, donc ça c'est tout ce qui commence par 37. Donc hop, ça va là, ça je vais le laisser de sortie puisque j'en ai un autre. Là ce qui est 38. Donc après chacun sa méthode hein, pour stocker, hein. Bah, d'ailleurs dites-le moi en commentaire comment vous stockez vos pierres. Si vous les gardez, il y en a plein qui les jettent. J'étais étonnée quand on m'a dit, bah moi je les jette. Ah bon, ok, tu les jettes. Bah.
Moi, je sais que ça m'a dépanné plein de fois et franchement, je suis bien contente d'avoir un stock. Donc voilà pour la petite vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous souhaite un bon week-end, bonne fin de week-end. Enfin, moi, c'est le week-end, mais vous, ça sera pas le week-end. Je sais pas. Bref, une bonne semaine, un bon week-end, tout ce que vous voulez. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous.